Pourquoi j'ai toujours l'impression qu'il fait nuit chez moi? On a réussi à tomber malade avec eBay. Alors que juste avant cette vidéo-là, je fais une vidéo où je dis que j'ai trop chaud. Maintenant, je suis obligé de boire de la tisane parce que j'ai trop mal à la gorge. Qu'est-ce qui va pas chez nous? Le premier jour de l'été, on tombe malade. Waouh, génial. Ah, vous voyez la télé? Attendez. Si vous voyez la télé, je suis malade. J'ai besoin de chaleur dans mon petit cœur, ok? Nous allons mettre quelque chose de très cliché. N'hésitez pas à stopper la vidéo et à me dire en commentaire si jamais vous avez trouvé ce que c'était d'ailleurs. Laissez-moi ce... Ok? Il n'y a pas de chaleur. Salut, salut. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec vous? Vu que je commence à être malade, je me dis, quoi de mieux que tester mon cerveau englué et savoir si jamais je peux réavoir le brevet ou si j'ai tout oublié. Parce que je pense qu'il y a énormément de choses que j'ai oubliées. J'ai pris brevet, pourquoi? Parce que le bac, je ne l'aurais pas eu. J'aurais pas réussi. Parce que je l'ai eu une fois, mais de peu. Donc, voilà. Voir si effectivement je n'ai rien retenu de toutes ces années de scolarité. Savoir si en le repassant aujourd'hui, j'aurais obtenu mon brevet ou pas. Et si vous voulez que je fasse le niveau bac, je le ferai. Voilà quoi, c'est possible que je l'ai pas. Commençons tout de suite. Je vais aller sur un quiz, un des premiers quiz que j'ai trouvé sur internet. Il y a 20 questions. Peut-être que je vais en faire plusieurs pour être sûr et certain de pouvoir réavoir mon brevet. Ça m'est essentiel dans ma vie. Première question. Quelle est la fonction du groupe de mots entre crochets? Il a prêté les billes de sa sœur. Ah oui, ok, d'accord, oui, c'est... ok. Donc là, c'est de qui? C'est O. Bah, j'étais sûr de moi, hein. Ça commence vraiment très 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 bien. Ok, bah oui, bah faut clairement retourner à l'école, parce que dès la première question, là, ça va pas du tout, en fait. J'ai même pas compris l'explication. Génial, génial, ça commence très très bien. Deuxième question. Combien la France compte-t-elle d'habitants? 67,2? Je crois que c'est 67. Ouais! Troisième question. Quel terme nazi désigne l'extermination des juifs d'Europe? C'est pas dans le mood de la maison, là. Moi, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'avoir l'esprit léger, mais travailler quand même. Je suis pas joyeux quand je réponds à ce genre de questions, hein. Je sais pas, moi. La dernière opération? Pff, je suis très content de pas avoir répondu juste à ça, tu vois, parce que j'ai même pas envie de le savoir, en fait. Je trouve ça horrible. Quatrième question. Les Françaises ont obtenu le droit de vote en... Oh putain. Bon, ok. Faut savoir un truc. Je suis une bille en histoire. Géo. Beaucoup de matière. Mais dès qu'il faut juste retenir quelque chose, je suis nul à chier. Retenir des nombres? Je sais pas comment j'ai eu mon bac, hein. Encore une fois, je l'ai eu, mais j'ai gratté au possible. Le brevet, bah, j'ai l'impression que c'était la même chose. Mais les Françaises ont obtenu le droit de vote en... Je crois que c'est 46. Eh ben non, allez, je suis nul. Cinquième question. Non mais j'ai eu bon, il y a une seule question sur quatre questions. C'est le brevet. J'ai honte un peu. Comment s'appelle le premier président de la gauche de la 5e République? 5e République, mais c'est quand ça? C'est là, non? Je suis nul. Président de la gauche de la 5e République. Voilà, je pense que c'est François Mitterrand, hein. Ouais! J'ai un peu mis ça au pif. François Mitterrand, alors premier secrétaire du Parti Socialiste, a été élu président de la 5e République le 21 mai 1981. Il succédait au centriste Valéry Giscard d'Estaing. Ok, j'aurais oublié demain. Sixième question, 10 puissance de 4 est égal à combien? C'est égal à 10 000. Beaucoup trop confiant sur cette question, vous vous dites? Oui. Effectivement, eBay m'a donné la réponse il y a quelques jours, parce que je lui ai posé la question. Sinon, j'allais me tromper. Le retour à l'école chez les jeunes est-il nécessaire? Oui. Septième question. À quelle époque se développe la tragédie antique? Pourquoi? Pourquoi c'est que de l'histoire? Je comprends pas. Moi, je ne retiens pas l'histoire. Je ne retiens même pas ce que j'ai fait hier. Qu'est-ce que tu veux que je retienne que les gens ont fait il y a longtemps? Mais j'en sais rien. Sixième siècle, cinquième siècle, quatrième siècle, troisième siècle. J'ai envie de mettre trois. Mais je pense pas du tout que ce soit ça. Je n'en sais rien. Je sais pas du tout. Troisième? Bah non. Tragédie grecque est une manifestation caractéristique de l'Athènes antique. Tragédie grecque, on est d'accord que c'est genre le théâtre et tout. Non? Huitième question. Comment se nomme le fleuve qui traverse la ville de Lyon? Alors c'est pas la Seine, c'est pas la Loire. Est-ce que c'est le Rhin ou c'est le Rhône? C'est le Rhône. Ouais! Ça c'est bien ça! Complétez l'adjectif possessif qui convient. The dog eats. Hein? Adjectif possessif. Donc c'est qu'on possède la nourriture. My food! C'est pas un my
my food. Pourquoi le chien il peut pas manger ma nourriture? Je trouve que franchement ils sont vachement limités. Hein. Y a des réponses qui pourraient fonctionner quand même. Toujours essayer de gratter un maximum de points. Écrire de la merde. Ou peut-être qu'il y a 2-3 trucs qui sont bien. Peut-être que ça vaut peut-être 2-3 points. Ne serait-ce c'est bien écrit, il y a peut-être pas trop de fautes. Mais moi un point frère, c'est bon. J'ai eu mon bac comme ça, hein, donc ça paye, ça paye. Combien y a-t-il d'États dans l'Union Européenne? Mais j'en sais rien, ça aussi. Je sais pas. 28? 25? Plouf, plouf, 1, 2, 3, ce sera toi qui aura le plus d'états. 1, 2, 3, 28. J'ai fait au hasard, mais j'ai quand même dit 28 en premier. Hein. Non, je ne lisais pas juste dans l'ordre, j'ai quand même mis 28 dans ma tête. Je savais, ok. 11e question. Un atome qui a perdu un ou plusieurs électrons est un ion négatif ou positif? Ou est un atome? Science physique, la matière que je déteste le plus. Moi, je faisais un truc, c'était... J'ai jamais rien compris de la 5e à la terminale. Alors que j'ai fait S, hein. Rien compris. Rien du tout. J'avais genre 3 de moyenne. Je sais pas. Je crois que c'est ion négatif, hein. Eh non, c'était un positif. Oh, des maths. 12e question. L'air d'un triangle rectangle dont les côtés mesurent 3 cm et 4 cm... et de longueur d'hypoténuse égale à 5 cm et 2. L'air d'un triangle rectangle. Je comprends pas ce qu'ils disent les gens, je sais plus. Je crois que c'est base fois hauteur l'air d'un triangle, non? Mais la base c'est quoi? C'est l'hypoténuse du coup? Base fois hauteur. C'est quoi? On va faire un truc plus simple parce que là je sais plus. Je vais calculer l'air d'un rectangle et je vais diviser par 2. Si je fais 3 fois 4 et 12 divisé par 2 ça fait 6. Bon, on va dire que c'est ça, ouais. Je suis pas peu fier. Alors, 13e question. Une urne contient 4 boules rouges et 8 boules bleues. Indiscernable au toucher. On tire une boule dans l'urne, la probabilité de tirer une boule rouge est égale à... Franchement, ça c'est pareil. Tout ce qui est calcul de proba, calcul de trucs, de bordel, de machin, dès qu'il y a du calcul, je ne comprends rien à la logique, parce que tu peux trouver, en étant logique, t'as 2 fois plus de boules bleues que de boules rouges. Donc ça fait x2. C'est divisé par 2. Donc est-ce que c'est 1 sur 3? Je pense que c'est 1 sur 4. Parce que je vois pas pourquoi est-ce que ce serait 3, vu que 3 c'est pas un dénominateur commun entre 2 et 4. C'est pas un nombre pair et tout, enfin y a pas de... Y'a rien de commun, tu vois. Je dirais 1 sur 4. Eh ben non. Vas-y là, j'étais trop sûr de mon raisonnement en plus. Ah, ok, je vois. Et dans combien de fois 4 t'as 12? Dans combien de fois 4? Combien de fois? Dans 12? Combien de fois t'as 4? Bah, je m'en souvenais plus du tout. Les probas, qu'est-ce que j'aime pas? 14e question. Quelle zone géographique n'a-t-elle pas été annexée par l'Allemagne nazie? Je dirais l'Italie. Parce que c'est plus bas que tous les autres, donc je me dis vas-y. Hein. Il y avait Mussolini. Ce bâtard. 15e question. Quelle est la moyenne de la série statistique suivante? 4, 5, 6, 10, 15, 18, 21, 25, 36, 53. J'ai eu un bug, je ne sais pas pourquoi. La moyenne? Mais tu peux pas faire ça de tête, si? Comment je pourrais simplifier ça? Bon, 53 plus 36, ça fait 89. 89 plus 25, ça fait 100. 89 plus 25, ça fait 90 plus 24. 114, 135, 150, 168, 178, 188, 183, 193. Divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. J'ai mis 50 ans. Ouais, on... Ouh, ça fait peur. 16e question. Quelle est la forme réduite de cette expression? 15x moins 2x au carré moins 6 plus 5x au carré moins 2x. Bah, du coup, là, logiquement, de toute façon, on peut tout simplifier. Moins 2x avec les 15x, donc du coup ça fait plus 13x. Donc déjà là t'as un plus 13x. Je voulais pas appuyer. J'avais pas fini mon raisonnement. Bon, bah c'est pas grave. Hein. 17e question. Un séisme est produit par la rupture de roche en profondeur. Le point de rupture se nomme... Oh putain, je sais plus. Est-ce que c'est l'épicentre, le foyer ou la faille? Faille ou épicentre? J'ai l'impression que c'est épicentre, mais je suis pas sûr. Je
J'ai vraiment une bouse. 18e question. Une commune doit aménager une aire d'accueil pour les gens du voyage quand elle compte plus de combien d'habitants? J'en sais rien, moi. Je sais pas, 1000? Ah non, c'était 5000. Ça, j'en savais rien du tout, hein. On peut pas m'en vouloir. Dans quel cours tu sais ça au collège? What the fuck? Pourquoi t'apprends ça au collège? 19e question. Indiquez la catégorie du complément circonstanciel entre les crochets. Ni manière, ni temps, c'est soit lieu, soit ce n'est pas un complément circonstanciel. Qu'est-ce que c'est un complément circonstanciel? Est-ce que c'est un COI, COD, COS? Donc c'est lieu. Ok, donc je pense que c'est oui, c'est un COI. À Marseille. Bon, dernière question. Dans la phrase « Cet été, un soleil de feu m'empêchait de réviser », quelle est la figure de style utilisée? Une hyperbole? Une hyperbole, ouais. Alors d'une, j'ai Hermione qui me juge. J'avoue que ça me plaît pas trop. Reste tranquille, Sorette. Mon intelligence, elle est ailleurs, ok? Le petit message, il blesse un peu, hein. Ce n'est pas un crash complet, mais vu le taux de réussite du brevet, vous pourriez faire mieux. Faire beaucoup mieux. Là, franchement, je crois que vous avez vraiment eu la reconstitution de mon bac. Ah, c'est comme ça que j'ai eu mon bac, hein. Parce que j'ai eu ça à peu près comme note. Pas glorieux, hein. Bah écoutez, j'ai bien retenu ce qu'on m'a appris, en tout cas, hein. Waouh, j'ai eu bon qu'à 10 questions, mais je pense que c'était genre 10 fucking simples questions. En fait, plus tu grandis, plus tu te dis en bête. Faut peut-être pas en faire une vérité générale, hein. C'est peut-être que moi, c'est même sûrement que moi. Non, bah somme, un peu triste quand même, hein, il faut se l'avouer. J'espère que je t'ai bien fait rire avec mes bourdes sur le brevet. Déjà, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un like pour me montrer que tu l'as aimé, que tu l'as regardé. Merci. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour avoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et sur ce, amuse-toi bien.